Matcher plus. T'as du mal à avoir des matchs sur les applications de rencontre, le feed t'ignore, t'as envie d'être plus visible, d'avoir plus de matchs, tu ne sais pas comment faire. Dans cette vidéo, je t'explique comment faire pour matcher plus sur les applications de rencontre comme Tinder. Qu'est-ce qu'il faut améliorer pour rendre ton profil attractif et gagner l'intérêt des filles. Alors reste bien jusqu'à la fin où je te glisserai mon gros tip du jour après les sections qu'on va voir ensemble. Ça va monter crescendo car j'aime te condenser ici des conseils bien propres pour pas que tu perdes ton temps sur ma chaîne. Alors n'oublie pas de liker la vidéo si ça t'aide. C'est parti pour l'intro. Faire la différence, pour matcher avec plus de filles, la première chose, c'est de supprimer ton compte actuel et t'en créer un nouveau. Mais ça, on va le travailler en back office avant ça. Donc de vraiment repartir de zéro. Alors si tu veux exploser ton compteur de match, supprime ton compte, attends quelques jours, travaille-le avec mes conseils et crée-toi-en un nouveau. Avant que j'oublie, rejoins notre canal privé Telegram pour des conseils en tout genre juste ici, avec les femmes que je ne mets pas forcément sur YouTube. Donc on commence par le numéro 1, le basique, c'est les photos. Il faut admettre que Tinder est une application de rencontre un peu superficielle. Le physique compte beaucoup sur l'appli. Donc pour avoir plus de matchs, il faut que tu travailles bien tes photos, ton physique sur les photos, la qualité de tes photos. Et ce que les filles vont découvrir en premier sur toi, surtout sa première photo. Donc, très simple, si tu veux un conseil rapide, c'est le regard avec un bon sourire. Et le sourire aide le regard. Donc elles vont te juger sur ce qu'elles voient, ce qui leur donnera envie de visiter ton profil, donc la suite de tes photos, puis ta bio, puis te parler ou te répondre. D'en connaître davantage sur toi. Donc utilise suffisamment de photos pour donner envie aux filles de te connaître, mais en minimum 3 ou 4. Par exemple, n'oublie pas que la photo principale est super importante, je te le rappelle. Choisis une qui donne envie de cliquer sur le profil, c'est vraiment comme une publicité. Et oui, ça marche comme ça, ça va donner envie d'aller voir sur les autres photos, de pourquoi pas la bio, etc. Comprends que ça se joue en quelques secondes, en fractions de secondes. La fille va passer quelques secondes sur ta photo, quelques millisecondes, avant de swiper gauche ou droite. Pour capter l'attention d'une fille, il faut être vraiment sûr que tes photos soient bonnes, que ta première photo soit testée sur les sites que je te donne en description. Si tu es sur Tinder en mode gratuit, tu n'auras pas d'autres opportunités, d'autres artifices pour être plus visible que d'intéresser les filles. Donc, la description maintenant. Une photo qui plaît ne suffit pas. Il faut aussi avoir une description qui accroche, qui est smart, qui est intelligente socialement. Pour ça, ta description doit être courte, extrêmement simple et facile à retenir. Beaucoup de mecs essayent de faire des descriptions originales, fun et drôles, ou de raconter tous les aspects extraordinaires de leur vie. Le problème, c'est que si c'est trop long, les filles ne vont pas perdre leur temps à lire jusqu'au bout. Sauf si c'est très bien fait. Moi, j'en ai une très longue, mais elle est parfaite. Les blagues risquent d'être mal interprétées par certaines filles. Ce genre de description ne fonctionne pas et ça peut vite te faire passer pour quelqu'un de bizarre parce qu'en ligne, il n'y a pas le ton, voilà, c'est pas réel. Le mieux, c'est de faire simple, minimaliste et bien sûr d'utiliser une phrase qui accroche et pour ça, il faut être créatif. Ensuite, sois actif sur l'appli. L'algorithme de Tinder met en avant les profils les plus actifs, un petit peu mais souvent, vaut mieux qu'une grande session toutes les semaines. Pour que les filles puissent te voir, tu dois être disponible et actif. Tinder privilégie l'expérience des filles et surtout, pas passif. Donc si tu te connectes qu'une fois, quelques fois par semaine, ton profil ne sera pas mis en avant par rapport aux autres, c'est une compétition, et donc voilà, tu ne seras pas visible. Du coup, connecte-toi tous les jours, si possible, plusieurs fois par jour, like les filles qui te plaisent. Attention, il ne faut pas non plus liker tous les profils, si tu vas flinguer ton algorithme. Like uniquement les filles qui t'intéressent et qui sont potentiellement à ton niveau, voire un petit peu plus. Puis n'hésite pas à écrire que toutes les filles qui te like, c'est important que tu messages tous tes matchs, l'algorithme verra si tu es actif. Ça va être aussi un moyen pour toi de travailler tes accroches. Plus tu seras actif, plus tu auras de matchs. N'oublie pas que Tinder, il faut privilégier la quantité à la qualité au moins au début. Il est vraiment important de parler avec un maximum de filles pour avoir en fait la chance d'obtenir un maximum de rendez-vous derrière ou de contacts Instagram si tu suis mes formations. Pour ça, travaille tes messages d'accroche et n'hésite pas à nexter quand tu sens que la fille n'est pas intéressée. Si tu veux réagir, laisse un petit commentaire et j'y répondrai. Maintenant, les réglages. Fais gaffe aux réglages pour optimiser tes recherches. Ne mets pas trop d'écart dans la tranche d'âge. Les nanas veulent rencontrer des hommes de leur âge, un petit peu plus vieux qu'eux. Voilà, c'est mieux d'éliminer tout de suite les réglages trop grands, les kilomètres aussi, fais attention. Alors, ne va pas non plus chercher trop loin, comme je te disais. Choisis une distance raisonnable selon si tu habites dans une grande ville ou dans un petit village. Maintenant, prends un abonnement aussi, surtout si tu habites à la campagne. Il faut que tu puisses montrer à l'appli que tu es un petit peu engagé, elle va te mettre en avant. C'est clair que c'est une dépense, mais ça en vaut la peine comparé à ce que ça te rapporte. Après, je conseille Tinder Plus ou direct si tu peux, Tinder Platinum, Tinder Gold. Moi, je trouve que ça sert un peu à rien de voir les filles qui te like parce que souvent, c'est celles que tu n'as pas liké.
Pour gagner en visibilité, pense aussi à booster ton profil. Utilise le boost pendant les heures de pointe, pendant les heures où les filles se connectent le plus. Alors ça, pour le savoir, il faudra que tu fasses des tests parce que c'est jamais pareil dans toutes les villes. Mais bon, 21h dimanche soir, 21h lundi soir. De manière générale, tu peux mettre un boost aussi. Bon, ça peut être à partir de 19h parce que l'endroit où les mecs vont mettre plus de boost, peut-être pas que tu le mettes non plus, mais théoriquement, voilà, dimanche soir, lundi soir, 21h. Attention, le fait de payer ne garantit pas que tu aies plus de matchs. Il faut d'abord que ton profil soit attirant. Le plus important est d'avoir un profil qui plaît aux filles, qui donne envie aux filles d'en savoir plus sur toi. Donc les formules payantes ne sont que de simples leviers pour multiplier tes matchs. Questions, suggestions, tu sais où les écrire. Récupère aussi maintenant ton accès à mon tuto gratuit. Tu cliques dans la description, ça va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre en fait. Tu vas pouvoir consulter ça. Je t'ai préparé une formation gratuite qui va t'expliquer comment améliorer ton profil Tinder à peu près 35 minutes montre en main pour avoir plein de matchs, aussi plein de logiciels pour améliorer noter tes photos et également des applications de rencontres un petit peu spéciales dont tout le monde ne connaît pas forcément le plein potentiel. On passe maintenant au type du jour. C'est une bonne chose d'avoir plus de matchs, c'est encore mieux d'avoir un rendez-vous et d'arriver à conclure avec des filles. Pour y arriver, le premier message est super important. Fais travailler ta créativité pour te différencier des nombreux mecs qui lui écrivent. Utilise toujours des messages personnalisés, une accroche originale qui donne envie de répondre et de poursuivre la conversation. Merci d'être arrivé au bout de cette vidéo, je suis sûr que ça va vraiment t'aider. Si tu veux plus de résultats en général avec les filles, alors je te conseille de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si tu aimes ça, like la vidéo, ça m'aidera à mieux t'aider. On se retrouve à la prochaine, c'était Mr. Tinder, ciao.